Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 1er mai, nous célébrons la journée internationale des droits des travailleurs, l'occasion de revenir ce matin sur les acquis sociaux des travailleurs réalisés ces dernières années, les perspectives d'avenir également pour consolider le pouvoir d'achat des travailleurs, l'essor d'une économie performante et la consolidation du caractère social de l'État. Des reportages réalisés par Sofia Boukrcha et Rim Boukhadoum vous seront proposés dans ce journal. On reviendra également sur la parité homme-femme, autre engagement pour venir à bout des clivages et des inégalités. Un reportage signé et le ministre des Affaires étrangères appelle depuis Doha à orienter les efforts conjoints en soutien à la cause palestinienne et à faire pression sur l'occupant sioniste pour amener à mettre fin à ses agressions contre la bande de Gaza. Ahmed Attaf a pris part aux travaux de la troisième session du Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et de l'Azerbaïdjan. À Gaza, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit près d'une centaine de martyrs durant les dernières 24 heures. Le chef du gouvernement sioniste confirme son intention d'envahir Rafah, une option intolérable, estime le patron de l'ONU. Et puis, clap de fin pour le 4e festival du film méditerranéen de Annaba. En sport, médaille en or pour l'Algérie à l'entame des championnats d'Afrique de natation à Luanda. Et puis en volleyball, championnat d'Afrique féminin au Caire. Le 3e représentant algérien quitte également la compétition. Nous sommes le 1er mai, nous célébrons la journée internationale des droits des travailleurs, Walid Selman. L'occasion de faire une rétrospective des acquis et une projection sur les perspectives d'avenir à même de renforcer les acquis sociaux et de consolider les bases d'une économie performante. Le tout concourant à la consolidation de l'essence d'un État à caractère fondamentalement social, Sofia Boukrcha. Un principe immuable et ancré depuis l'indépendance de l'Algérie, le caractère social de l'État qui a œuvré à adapter son contenu aux exigences actuelles dans le but de renforcer les efforts de développement et de réaliser le bien-être social du citoyen qui est le fondement du développement durable et la clé de la création de richesses à travers aussi la poursuite de l'amélioration des conditions socio-professionnelles de larges catégories, à commencer par l'augmentation du salaire national minimum garanti, l'exonération des impôts et l'augmentation des salaires et des pensions de retraite. Plus loin encore, le président de la République, après avoir décidé d'augmenter les salaires de 47% et grâce à la dynamique économique enregistrée au cours de la période écoulée, a fait savoir qu'il allait doubler les salaires, soit les augmenter à 100% d'ici 2026-2027. Il s'agit aussi de revaloriser les pensions de retraite pour l'année en cours au profit des bénéficiaires du régime de retraite des salariés ou non salariés, tenant compte de l'évolution du niveau de vie et dans le but de continuer la protection sociale de cette catégorie. Parmi les acquis obtenus par les travailleurs figure également l'intégration des contractuels dans des postes permanents et la conversion des contrats à durée indéterminée. En parallèle de ces mesures, l'État veille à promouvoir le dialogue social et à encadrer l'action syndicale pour préserver les droits des travailleurs. Un acquis démocratique est essentiel, un pilier pour soutenir la croissance et la stabilité sociale. Une réforme profonde de la loi sur l'exercice du droit syndical intervient à la lumière des acquis consacrés par la Constitution pour renforcer les libertés fondamentales. De nombreuses mesures ont été introduites pour garantir l'indépendance et la neutralité des syndicats, mais aussi les protéger des interférences politiques et partisanes. Un sujet signé Sofia Boukrcha. Justement, à propos d'acquis, des acquis à consolider. Depuis plus de 4 ans, l'État a mis une panoplie de mesures afin de les préserver. En mettant en place une politique pour préserver les acquis sociaux, vous le disiez, revalorisation du SNMG en 2020, révision du barème de l'IRG, et notamment l'augmentation des salaires de près de 50% avant qu'il ne soit doublé en 2026-2027. Terim Boukhadoum pour les détails. Près de 2,8 millions d'employés ont bénéficié d'une augmentation des salaires, une augmentation graduelle de 2022 jusqu'à 2024 d'une valeur estimée entre 4 500 et 8 500 dinars selon les grades, ce qui constitue une augmentation de 47% sur 3 ans, une démarche saluée par les salariés. Évidemment, c'est une très bonne chose. Toute augmentation de salaire est une très bonne chose. C'est très important, bien sûr. Toute augmentation
l'immigration, c'est la bienvenue. C'est un bon geste du président. La révision du barème de l'IRG a touché toutes les catégories des salaires pour alléger les charges fiscales et améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. La réduction de l'IRG coûte au trésor public plus de 400 milliards de dinars par an. Boubacar Selemi, fiscaliste. L'IRG qui a été révisé à 30 000 dinars, donc tous les salaires qui n'atteignent pas ce niveau de 30 000 dinars sont exonérés en matière d'IRG. Et ça, c'est très important. Par rapport à la fiscalité, il y a aussi des exonérations en matière d'IRG, plusieurs exonérations, des abattements pour les handicapés, pour les retraités. Donc les mesures fiscales ont accompagné l'augmentation des salaires. 70% du budget prévu pour l'année 2024 sont destinés aux acquis sociaux. Plus de 500 milliards de dinars sont destinés à la revalorisation des salaires et le maintien du pouvoir d'achat. Autre point de fixation, Odile Selman, assurer la parité homme-femme sur le marché du travail, et on en parle ce 1er mai. La législation algérienne qui favorise parfaitement le travail des femmes et leur participation à la vie économique, le tout dans le cadre d'une politique publique, c'est le thème auquel s'intéresse ce matin Ebtihel Adoun. La constitution qui fixe la perspective d'une parité au travail est une réponse aux attentes exprimées par les femmes syndicalistes. Cependant, cet article qui introduit la notion de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi doit être assorti de dispositions réglementaires qui doivent définir comment y parvenir à travers des mécanismes, selon Soumia Salhi, présidente de la Commission nationale des femmes travailleuses de l'Union générale des travailleurs algériens. La législation du travail en vigueur est basée sur un principe d'égalité. On doit vraiment agir pour qu'il y ait une présence massive des femmes. Nous avons que la parité au travail qui est inscrite dans la Constitution est une bataille planétaire qui est indispensable pour asseoir objectivement l'égalité. Cela signifie qu'il faut renforcer des dispositifs d'appui à l'emploi féminin, que le développement économique est nécessaire. Il est nécessaire de mettre en place un système qui renforce l'inclusion économique des femmes et améliore son accès aux postes de décision dans les entreprises et les administrations. Nadia Aïdzaï, avocate. Cette parité, il faut la construire puisque l'article 68 lui-même qui parle de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, l'article 68 de la Constitution, nous dit comment il faut promouvoir donc ces femmes au poste de responsabilité. Il faut donc une loi qui posera le nombre de femmes, un quota de femmes au poste de responsabilité dans les administrations et dans les entreprises. L'Algérie a ratifié un grand nombre de textes relatifs au travail qui constituent la source du code de travail algérien consacrant l'égalité hommes-femmes en bannissant toute forme de discrimination. Un sujet signé Ebtihel Adoun. Rappelons que ce 1er mai, le forum de la chaîne 3 à suivre de 11h à midi sera consacré donc au 1er mai aux acquis sociaux professionnels, aux droits des travailleurs et Nahla Bekhalas recevra M. Amar Tarjout, secrétaire général de l'UGTR. Il est 8h ou 8 minutes sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Nous vous disions en titre après Riyad, le ministre des Affaires étrangères était à Doha hier où il a pris part au forum économique et de coopération arabe avec l'Asie centrale et l'Azerbaïdjan. Ahmed Attaf qui dans son intervention a appelé les pays participants à mettre au centre de leurs priorités la Palestine à se mobiliser en sa faveur. Il est nécessaire d'orienter nos efforts communs prioritairement pour faire triompher la cause palestinienne, la plus juste au monde, la plus ancienne de l'histoire de notre organisation onusienne. C'est la plus importante des causes qui méritent d'occuper les priorités de la communauté internationale dans ce contexte actuel décisif. La question palestinienne doit être au centre de nos intérêts, nos objectifs et nos voies pour faire pression sur l'entité sioniste qui doit cesser ses crimes à Gaza. Nous devons ainsi déployer nos efforts pour que l'aide humanitaire puisse arriver à destination. Nous sommes tenus de concrétiser tous ces objectifs pour aider nos frères palestiniens, les délivrer du génocide, de la destruction, du déplacement forcé et de la famine. Et
Et en marge de la rencontre, le chef de la diplomatie a été reçu par le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Qatari Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Thani. Les deux hommes ont évoqué, bien entendu, les derniers développements à Gaza. Attaf qui s'est également entretenu avec le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeiba. Pour rappel, les ministres des Affaires étrangères des pays arabes, des pays d'Asie centrale et de l'Azerbaïdjan ont salué dans le communiqué final et ont couronné la troisième session du Forum économique et de coopération les efforts de l'Algérie pour la réalisation de la réconciliation entre les factions palestiniennes initiée par le chef de l'État en 2022. Sauvagerie, barbarie à Gaza, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Près d'une centaine de martyrs durant les dernières 24 heures, le chef du gouvernement sioniste qui confirme son intention d'envahir Rafah, une option intolérable, estime le patron de l'ONU, Guterres, qui appelle à une enquête sur les assassinats collectifs sionistes après la découverte de fosses communes, notamment dans l'hôpital de Shifa, la population Razaoui qui vit une catastrophe humanitaire sans précédent. Le porte-parole du gouvernement sur place, Ismail Thawabta, contacté par Karim Abnour. L'occupation sioniste porte l'entière responsabilité de ces crimes, également l'administration américaine impliquée dans ce génocide en fournissant des équipements militaires entre avions et bombes dévastatrices et missiles pour totalement détruire des quartiers entiers, ce qui s'est malheureusement produit sur le terrain. La communauté internationale, elle aussi, porte une grande responsabilité après ces échecs à trois reprises dans l'arrêt de cette guerre contre les Palestiniens. On en appelle au monde libre et les organisations humanitaires à traduire devant toutes les instances judiciaires du monde pour ces génocides et procéder à leur arrestation. Par ailleurs, aux États-Unis, la police de New York est entrée hier soir dans les locaux de l'Université de Columbia afin d'arrêter et de déloger des manifestants pro-palestiniens qui ont investi hier soir un bâtiment et campent sur le campus depuis deux semaines déjà. La question palestinienne qui reste une question centrale pour l'Algérie, évoquée par le ministre de la Communication. Tout à fait, à l'occasion d'un colloque organisé hier par son département, l'occasion de la journée de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Je vous propose d'écouter Mohamed Lagab. Certains observatoires relevant d'organisations mondiales onusiennes n'ont jamais évoqué les noms des journalistes palestiniens assassinés, bien qu'ils existent depuis 1993. Ils ne parlent jamais de la Palestine, ni des journalistes tués depuis le 7 octobre, et dont le nombre dépasse les 141 journalistes, soit pratiquement le plus grand nombre enregistré depuis 1993. On ne trouve aucune trace. Les journalistes africains et arabes et musulmans sont aussi marginalisés, bien que l'idée de la journée internationale de la liberté de la presse est une idée de journalistes africains qui se sont réunis en Namibie en 1991, puis adoptée par l'UNESCO et les Nations Unies en 1993 pour institutionnaliser le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Malgré cela, aucune allusion n'est faite aux efforts des journalistes africains, arabes ou palestiniens. Minutes. Journalistes, intellectuels et acteurs de la sphère culturelle ont pris part hier au colloque sur le thème médias et culture. En effet, la rencontre consacrée à la problématique de la place de la culture dans les médias concourant à consolider l'appartenance identitaire. Hanan Saïsi. Les intellectuels et professionnels de la presse sont unanimes quant à l'importance de la valorisation de la culture dans le produit médiatique national. Une condition incontournable si l'on veut capter l'intention du public et le préserver de l'influence de l'image étrangère, relève Mohamed Belhaï, journaliste et cinéaste. Nous consommons beaucoup d'images qui nous viennent de l'extérieur. Maintenant, quelle image nous produisons? Est-ce qu'on a des instituts de sondage? En principe, c'est les enquêtes d'opinion. On doit avoir une connaissance des strates qui font de l'Algérie. L'Algérien, il doit se retrouver dans l'image qui est produite. La place de la culture dans les médias doit se mettre en phase avec la numérisation et l'évolution des technologies de l'information, si l'on veut exporter la culture nationale, souligne le journaliste écrivain Amin Zawi. Nous rentrons dans une phase où la culture est devenue très sensible, très légère aussi, qui est portée par cette vague de la numérisation et qui nous demande d'être à sa valeur, à son niveau. Il faut rentrer dans cette ère qui peut faire de notre culture, notre exception culturelle, une culture mondiale. Enfin, des cycles de formation dans le domaine de la culture ont été décidés. Ils seront lancés incessamment au profit des professionnels du domaine. Une démarche qui se veut stratégique et un appui au perfectionnement des organes médiatiques, a assuré le ministre de la Communication.
Et à propos de culture, justement, clap de fin pour le 4e festival du film méditerranéen d'Annaba, une cérémonie de clôture qu'a abrité le théâtre régional Azdine Medjoubi. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Salim Brahimi. La cérémonie de clôture a été marquée par une interprétation de la musique de film par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, mais également une série d'hommages à des cinéastes algériens étrangers invités du festival. Le moment le plus attendu est bien évidemment le palmarès. Pour la catégorie long métrage de fiction, le prix du meilleur scénario a été remporté par le film The Rosinante du réalisateur turc Baran Gündüzalp. Le prix de la meilleure interprétation féminine revient à Maria Vasquez du film espagnol Marcia, et celui de la meilleure interprétation masculine revient à Salah Bekri du film palestinien The Teacher. Le prix du meilleur réalisateur revient au réalisateur croate Andrei Korovljev pour son film Hôtel Pula. Le grand prix long métrage a été remporté par le film Marcia du réalisateur espagnol Alvaro Gago. Le grand prix documentaire a été remporté par le film Sarura du réalisateur italien Nicolas Zambelli, qui le dédie au peuple palestinien. Je suis très heureux, très honoré. Ce prix, c'est pour moi, mais c'est pour la population palestinienne. Le prix du meilleur court métrage a été remporté par le réalisateur palestinien Abdullah Al-Khatib, qui a affiché sa solidarité avec le peuple palestinien. Ce n'est pas de la courtoisie, je suis heureux et fier d'être invité à ce festival. C'est un honneur pour moi de projeter mon film au public algérien. C'est ma première projection dans le monde arabe et c'est une fierté que ce soit en Algérie. Mon message est celui des victimes palestiniennes à Gaza qui subissent tous les jours les attaques sauvages du colonisateur israélien. Cette 4e édition du festival du film méditerranéen d'Annaba a pris fin avec un constat clair. Le public bonnois affiche une grande demande pour le cinéma. Reste à rouvrir des salles de projection pour satisfaire cette demande. D'Annaba, Salim Brahimi, Algérien 3. Et en sport, championnat d'Afrique de natation de l'Algérie qui décroche pour la première fois le 4x100 mètres nage libre mixte. Et puis en volleyball, championnat d'Afrique des clubs dames, le NCB Jaya, la Soub Béjaïa et le MBB Jaya. Les trois clubs algériens engagés dans ce championnat en Égypte ont été éliminés hier en 8e de finale. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.